Et maintenant, nous pouvons accueillir nos juges. Welcome to our judges. The Transylvian is the junior females to 3-year-olds for this 2014 World Championships. Sponsored by Zubair Stud from the UAE and the patronage of Lydia Stables of the Kingdom of Saudi Arabia. الآن بطولة العالمية 2014 للمحتاس سنتين وثلاث سنوات عمرها. We'll be right back.
Médaille d'or 2014 pour les juniors au Plumel. Pour les Émirats Arabes Unis, pour les UAE, Donna Montabella. Et Morbata Al-Safran. Al-Mohra, la femme Samad Al-Athina, Donna Montabella. Medaglia Zaharia. Avec David Barnes. David Barnes, a long-time friend of the Salon du Cheval, winning his first gold medal here in 1976. Medaille d'argent, silver medal, also for the UAE, for Dubai Arabian Hallstatt, Dee Shahla. Bronze medal, Esperanza Adventure, Al-Mastan of the Kingdom of Saudi Arabia. To this Donna Montabella, daughter of Da Valentino, out of RD Fabriana by Falcon. Donna Montabella, présentée par sa fiancée, représentée par Jean-Marc Poulard, le représentant de Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc. Cette place est parrainée par Ajman Stad, des Émirats Arabes Unis. Également par le train de dire Stables. Médaille d'argent pour la ravissante Dee Shahla et puis de mariage et Kefti Shahila dans Shahin Green Desert. Esperanza Adventure pour Al-Fastat, appartenant à son Altesse Royale, le prince Abdelaziz Ben Ahmed Ben Abdelaziz Al-Saoud. Et sans plus tarder, nous récompensons nos top 10. We'll be awarding our top 10 fillies. Starting with the star of Zubair, Zubair Stad, pour les Émirats Arabes Unis. Appartenant à Zubair Stad, la numéro 31, Mashaal Al-Khalidiya. Well, Khalidiya Stables in the Kingdom of Saudi Arabia, présenté by Yana Kulaski. The nice diva for Al-Sayyid Stad, Kingdom of Saudi Arabia, l'Arabie Saoudite avec the nice diva. Penelope K.A. for Al-Kumama Stad, for Qatar, Qatar, avec le numéro 41, Penelope K.A. et Al-Kumama Stad. Ghazalat Al-Aliya appartenant à Al-Aliya Stad pour le Royaume d'Arabie Saoudite, la Mamlakat Arabiya Saoudiya, Ghazalat Al-Aliya. Et Shakira pour DB Arabia, qui était la seule européenne avec la Pologne. Elle représentait la Belgique. Alors juste un petit instant, il y a eu une erreur d'hymne national. Effectivement, la gagnante représentait deux États, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. Et
Et maintenant, bien entendu, en l'honneur de cela, que retentisse l'hymne national du Koweït. Dans la Malta Bell, I was representing Kuwait, so we will have the Kuwaiti national anthem. Et vous pouvez applaudir David Boggs avec Donna Monica Bella, championne du monde junior femelle. Voilà, la piste extérieure pour que vous puissiez en profiter. Et bien, comme il est de tradition, chaque année, nous récompensons également le meilleur propriétaire naisseur. C'est Dubai Arabian Horse Stud qui va remettre ce trophée spécial, calculé également sur tous les résultats des épreuves qualificatives de ces championnats du monde. Dubai Arabian Horse Stud is about to award a special trophy for the best owner breeder. The best owner breeder over the qualifying classes of those 2014 championships. So we'd like to have the representative of Dubai Arabian Horse Stud. Here he is. And we call in the representative of Al-Shahab Stud, meilleur éleveur naisseur, Al-Shahab pour le Qatar. Et M. Mohamed Al-Tawhidi, directeur général de Dubai Arabian Horse Stud, qui s'approche de Mohamed Al-Sulaiti, directeur d'Al-Shahab Stud. Et oui, ils sont concurrents sur la piste, ils sont très souvent concurrents, mais là, le trophée est remis par Dubai Arabian Horse Stud Al-Shahab. C'est très sympathique. Congratulations, they are often competing in the show ring, both of them, Dubai Arabian Horse Stud and Al-Shahab. Al-Shahab is the winner of the Best Owner Breeder 2014. Congratulations!